Donc, j'aimerais commencer l'enregistrement que on aimerait tous envoyer des mercenages personnels à Florian. Des mercenages? Non, des personnes, des messages des... personnels. Ah, c'est, tu sais, des personnages. Des, mar... des mercenages. Des mercenages. C'est entre des messages et des combinaisons. Un message. Ouais. C'est comme tu veux qu'un message soit livré, mais aussi ponctué d'un coup de fusil à la fin. On voit un mercenage. Je te déteste. Bam. Là, ça ponctue le truc. Voilà, au moins l'on met le gars. Tu sais, t'envoies par SMS, ça peut être une blague. Mercenage. Ça... Là, c'est clair. T'es con. Bon, alors, pour la postérité, Florian, j'espère que les chorégraphies vont fonctionner. Vous allez bien ? Ouais ! Donc, c'est le tour des paladins. On est sûr de ça ? Ouais. La vidéo est déjà sortie. C'est comme quand tu... C'est fake news. Dans Spaceball, vous avez vu l'épisode dans Spaceball où ils regardent la vidéo pour trouver où ils sont ? Et ils avancent le film. Non mais je suis sûr que c'est le tour des paladins. Par contre, t'en avais italien, donc il en reste un qui est à moitié, un qui est un peu amoché, puis l'autre qui est... Ouais. Enfin, c'est-à-dire c'est le nombre de personnes qu'il y a par groupe. Il y a encore trois groupes de paladins, il y a un groupe qui est mort. Oui voilà, il me semblait que j'avais tué plus qu'un. Oui, t'en avais amoché un bon bout. Ok, donc c'est au groupe, là, le groupe qui est en pleine forme, il essaye de taper Z. Donc ça fait un jet de fight. Un jet de fight, Z. 3, ah ça passe. Ouais, tu te ramasses un stress. Bouh, un stress physique. T'en as au moins 6 ou 7 des cases. Tu peux pas en encaisser. Ouais, j'en avais une que t'as déjà coché. Tu peux pas en encaisser gratuitement un par partie grâce à ton armure. Alors, provide armor 1. Ok, donc ça. Le mec, ils arrivent, puis c'est sur l'armure, quoi. Ouais, on dit merci qui ? Merci Fred. Ouais, merci Fred. T'as lu les règles. T'as lu les règles, Fred ? Et qui se rappelle toutes. Par cœur. C'est un puits de savoir, ce Fred. Merci Fred. C'est une encyclopédie. Ok, next. Next, eh ben, c'est ceux à gauche, ils sont 4, ils te tapent dessus aussi. Ouais. Ouais. Ils refont 4. Oh, chier, 2. Donc ça fait 1. Cette fois, tu coches un stress, donc là, les autres, ils ont bénéficié qu'ils ont vu l'armure. Ils ont mieux évalué leur effort et ils ont réussi à te faire un petit peu mal. Mais pas beaucoup, tu te secoues et ça va. Ouais. Et il donne l'initiative à toi en fait. Je fais tempête du désert. C'est-à-dire que je peux faire Dragon Lash. Ouais, Dragon Lash, ouais. Donc il consiste à mettre une pluie de coups qui va propulser les adversaires dans des zones adjacentes. Ouais, merci. Voir s'il y a des dégâts, s'ils rencontrent des murs. Ah oui, écoute, on va voir si ce qu'ils rencontrent, effectivement. Là, il y a rencontre des murs à côté d'immeuble. C'est après, rencontre... après rencontre avec Joe Black. Rencontre avec le mur. Et là, voilà. Je peux ajouter mes modifiers de punch avec mon bras. Dégâts. Aux dégâts, ouais, pas au jet, mais aux dégâts, ouais. Il faut voir, parce que normalement il fait pas de dégâts le dragon lâche, il pousse seulement, non? Donc je tape, je fais des dégâts, et ensuite c'est fight en plus ou c'est non, comment... non, c'est vraiment un truc qui, ça pousse les gens, ça fait pas de dégâts. Ok. Et est-ce que je peux utiliser mes habilités physiques? Puisque c'est physique... Laquelle t'aimerais fight. Utiliser Le bras ou les gants? Non, en fait, ça fait pas de dégâts, en fait, ce truc, c'est d'après ce que je vois là. C'est juste un truc pour faire de l'espace, si tu veux. C'est si t'es encerclé, tu pousses tout le monde dans une zone adjacente. Ok, bah c'est parti, alors. Ok. 6.
Ok, donc 6, je fais un jet de physique. Zéro, et l'autre il fait 3. Ok. Donc, ils sont les deux éjectés. Ils sont éjectés ici. Aberoxine. Je crois que ouais, c'est ça qu'il faut. Ok, donc ils sont éjectés. C'est à qui que tu donnes init, cher ami? Yoka. Bah oui. Non, Ah oui. Ah. Sam Spade, tu peux en buter là en bas. Ouais, on joue à quel jeu? Ah oui. Full arm. Shoot. J'utilise mon Act of God Armament Widowmaker 7.5, page 135 des règles. Tu tires sur qui? Doucement, lui? Ouais, là ça va, ouais. Excuse-moi, vous êtes mort ou vous... Non? D'accord. Non mais je suis investigateur, moi je vois ça tout de suite, hein. C'est tac, mort, pas mort, diagnostic à 200 mètres. Ok. Ok, vas-y. Allez, je me shoot, je shoot. Et hop. Je roll un fer. Et aïe. Ça roll un pas good. Oh, mais c'est quoi ce merde? C'est quoi ça? C'est quoi ce jeu? Tu t'es foutu du système de règles. Il fallait pas shooter. Et moi j'ai fait quoi là? Donc en fait. Non mais en fait ils ont de la chance que je les ai propulsés hors de la zone, en fait ça a permis d'éviter. Ils étaient encore en train t'as mal évalué en fait, tu visais à l'endroit et t'as essayé de suivre la trajectoire pendant qu'il volait des points de Steve, mais t'as raté en fait, de Z pardon. Je me cachais ici à l'abri là. Ok, c'est bien ça l'abri. Marche. Voilà. Tu donnes à qui l'init? Ah yo. Il y a pas joué, il y a un groupe qui a pas joué chez eux et il y a le lynx qui a pas joué. Oui, okay. Vas-y le lynx. Alors moi, j'aimerais dépenser un point de fate pour. C'est la fate. Pour faire la fate. Déclarer un story detail. Ouais, vas-y, déclare bébé. Et j'aimerais déclarer que eux, au fait, ces gars-là, ils sont là. Ouais. Ils sont parce qu'ils sont fait propulser. Ils sont à terre. Donc ouais. Ils pourront pas esquiver mon coup quand je leur tire dessus. C'est pas qu'ils pourront pas esquiver, mais ils auront moins de. D'accord. Lui aussi, il a lu les règles. Donc, je vais faire un shoot sur eux. Ouais. Voilà, c'est 2. Oh yes. Ils ont 2 moins 2. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, t'en tues 2. Voilà. C'est. Cool. À qui tu donnes le tour? À Yokai. Ok, Yokai, il est planqué ninja ici, et ok, donc il se planque ici, et puis il tire sur cela. Yokai, il fait un moins 2, et les autres gars, ils font 1, donc Yokai, il tire dans le mur. Il donne l'initiative au dernier groupe qui n'a pas joué, c'est-à-dire celui-là. Et eux, ils avancent au corps à corps et ils essayent d'attaquer Steve. Z. C'est Zag et Z. Et ils font... Voilà. Ouais, ils font fight aussi. Ouais. Corps à corps. Ils sont 3, ouais. Donc c'est plus 3. 1. Ils sont moins 1 parce que c'est l'armure. Ça ne fait rien. Bah, ils font rien du tout. Putain, ils arrivent, ils... Ah, tout sans rien.
Alors, je donne l'initiative à Fred. Le lynx. Mais comme ils sont toujours à terre. Le lynx. Je refais un jet de shoot pour finir ces connards. J'ai fait deux. Oh yes. Un. Ok. Là. Ok. Ils ont pas encore toujours le moins deux. Hein? Ah. Ouais, c'est juste en fait. Donc t'en tues trois. Ils sont morts. Yes. Yeah. Tu me remplaces aujourd'hui comme Power Gamer ou bien c'est ça? Ouais. Y'a pas. Y'a plus les règles et tout. Y'a pas. Power Gamer, y'a plus. Et puis je me mets à couvert. Deux groupes. Il reste plus que deux groupes. À qui tu donnes l'init, cher ami? À Z. Ben je tabasse, voilà tout simplement. Et cette fois, je tape pour de vrai. Donc là, tu peux utiliser les gants. Le bonus arme 1. je me fais pas d'illusion là, je pense pas qu'ils vont survivre longtemps ces gars. Putain. Non, ça fait 5. Parce que le plus 1 c'est au dégât, c'est pas à l'attaque. Je suis ravi. Ah, autant pour moi, 5. Le 5 ça fait mal aussi. 0. Donc oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire mâchoire, crâne, plexus. Il n'en reste plus du tout. Ils sont tous. Piétine encore. Ils sont éclatés. Donc il reste encore un groupe. Tu donnes à qui limite Z? À Sam Spade. J'aurais créé un avantage pour le lynx. Un tir de couverture. Par exemple, ouais. Tu peux faire aussi un team. Team working avec Yokai. Tu peux faire aussi du teamwork et dépenser un point de fate pour faire du teamwork. Puis ensuite ça fait du plus 2. Ouais non, j'essaie pour faire créer un avantage. Voilà. J'essaie de faire un tir de couverture pour les handicapés dans leurs actions. Hein. Ok. Donc tu dois faire un. J'invoque les règles obscures de la page 124. Oui, je sais non mais pour créer un avantage tu dois faire un jet quand même je crois. Ah, ah oui, oui, bien. Tu crées un aspect, ouais. Ouais. Aspect type. Un caractère aspect, oui. Evoking aspect. L'aspect under heavy fire. Non, j'en sais rien. Ouais, non, sûr, absolument. Je prends pas le temps de viser, le truc c'est juste oui, qu'il y a des. Je sais pas, il faut que je regarde qu'est-ce que tu dois faire comme jet. Je crois que tu dois faire simplement en fight ou en shoot. En shoot, ouais. Ouais. Avec le flingue, ouais. Non, je ne suis pas Goldorak, je n'envoie pas mes fulgures au point à travers là. Quoi, le MJ t'a pas donné de fulgure au point? Presque. C'était en option, hein. Yes, il y avait une option fulgure au point. Oui, comment c'est vrai? Non. Moi, ah bah. Comment tu fais? C'est un jeu de merde, hein. C'est statistiquement improbable. Heureusement parce que moi les gars ils ont fait 0. Donc mais moi c'est quand même moins bien que 0. Donc ouais, ça rate la couverture en fait tu croyais qu'ils étaient dans le brouillard et t'as tiré dans le brouillard. J'ai tiré dans le brouillard. C'est bon, ils sortiront pas du brouillard. Ils sont dans le brouillard hein. Ils sont pas dans le brouillard. Si ils sont dans le brouillard. Maintenant que tu le dis ouais, mais c'était pas clair avant. Par contre Perceive, ouais, Perceive Maras. C'est-à-dire. Pour shoot, quoi. Ouais. Ouais, ensuite, c'est toi la MJ, hein. Ouais, ça peut être que c'est plus difficile à toucher, genre à moins 2. Ouais. Genre, si tu veux leur tirer dessus maintenant, par exemple. C'est à qui d'ailleurs? Bah, c'était à Sam Spade. Ouais, moi j'ai fait mon tir de couverture, je me suis loupé. Et donc, le lynx, non? Mais tu veux donner pas plutôt à eux l'init qu'à moi? D'accord, je donne à eux. Si tu préfères te faire tirer dessus que tirer. Bon, lui il est planqué, hein. Franchement, ok, donc. Eux ils essayent de se casser. Et ils se cassent en fait. Y'a rien que tu peux faire pour les arrêter. Ils sont partis de la map. Ils vont. Peut-être. Aller.
Ouais, ils ont été dans la zone d'à côté. Donc, fais un jet de notice pour voir si tu vois où ils sont allés. C'est à moins 4, c'est ça? Ouais. Parce qu'il y a de la fumée dans toute la zone, il paraît. Je fais 0. Il paraît, ouais. Et ouais, j'ai fait 4. Bah, ça fait 0. Donc, il va faire un jeu de discrétion. Moins 3. Les gars, ils ont foncé dans une poubelle. Ils sont en train de partir, mais ils pensaient aller vers le bas, mais ils sont allés vers la droite. Ils sont ici, brouillard, non? T'entends une poubelle sur ta gauche, Sam Spade. T'entends le bruit d'une poubelle sur ta gauche. Du coup, ils me donnent l'init. Bah écoute, je crois que ouais, ils ont pas le choix, ouais, c'est à toi. Tu les vois pas bien, mais t'as entendu une poubelle dans le coin là. Je peux aller dans leur zone. Ouais, mais c'est la même soupe, hein. Ouais. C'est au contact. C'est la même soupe. Après, tu peux essayer au corps à corps. T'es bon au corps à corps? C'est quoi? C'est physique, c'est ça? Non, c'est fight. C'est quoi? Fight. C'est quoi fight? C'est un truc que t'as pas. Mais vas-y, tu peux essayer de leur faire mal avec tes pommettes. J'ai un mono whip aussi. Oh yeah. Ça c'est bon. Mais je sors mon mono whip, je vais ici. Tu prends mono whip et que t'as pas fight. Hop, je te fais un jet en fight. Je peux dépenser du fate. Pour? Parce que je les ai entendus. Chez où ils sont. Ça t'a juste dit à peu près où ils sont, dans quelle zone. Ouais, mais je fais un grand arc dans la zone où ils sont avec mon whip parce que c'est un truc super long. Spending fate points, vous pouvez invoquer un aspect, activer un stunt, refuser un compel ou bien déclarer un détail d'histoire. C'est ouais, tout, hein. J'invoque un aspect. Quel aspect? L'aspect que je les ai entendus. Non, il n'y a pas d'aspect entendu encore. Ouais, mais ils sont plantés avant. Rien à foutre. Moi j'ai eu 1 et eux ils ont eu moins 3 à truc. Ouais, c'est ça. Donc ce qui fait que tu les as entendus en fait, sinon tu les aurais pas entendus. Ouais, moi j'ai fait 4 et eux ils ont moins 3. Non, t'as fait 0. Ouais, d'accord, j'ai fait 0 et eux ils ont moins 3. Il y a comme une différence de 3. Ouais, différence de 3. Tu les as entendus, tu sais qu'ils sont juste là. Mais ça te donne pas d'avantage. Ben, je fais un jet alors, simplement. En fight. Merci. Merci beaucoup. 0 jet. Donc, eux, ils font un jet en fight. Ils font 2. Donc, tu les as pas touchés, malheureusement. Ils ont réussi à éviter tes coups. Donc, c'est. À qui tu donnes l'init en fait? Mais à Z, puis je lui redis par comlink où ils sont. Ils sont dans le coin à côté de la poubelle, t'entends Z. Moi j'entends pas et je fouille les corps pour savoir si je pourrais essayer de trouver de la méroxyne. Ok, bah ouais, à fond. Mais c'est vrai, ouais. t'entends, tu parles dans le comlink, tu parles dans le comlink, puis t'entends des drôles de bruits d'animaux en fait à l'autre côté. T'as fouillé deux des gars et t'as rien trouvé. Je donne l'init à Sam Spade. Je vais rester mon tir de couverture de... Il y a un coup vivant là. Ouais, à côté de nous là. Ils sont dans la poubelle, dans le brouillard. À côté de la poubelle, à peu près à 3 mètres de... 5 mètres de toi vers le sud. Ouais, je mets une balle dans la... Hein, dans la testicule gauche. Attaque. Ok. Ah, bien. Le dé il a fait 0. Du skill. C'est juste du skill, c'est pur skill. Ça c'est okay. Sens. Ça c'est... Quand c'est les gars, c'est pas de la chance, ça c'est juste du skill. Et ben bravo. Ça fait moins 2 les gars. C'est dans ta face, système de règles bizarre. Ils ont pas la.
Non, non, ils sont pas l'armure. C'est des paladins sans armure. Voilà. Et c'est, il y en a moins en moins, des comme ça. Chaque jour. Ils mais c'est ils pas, les mêmes, pas les mêmes que ceux que vous avez vus sur Terre. Ils sont moins armurés, ceux-là. Ah, c'est des Space Paladins. Parfait. Paladins de l'espace. C'est des Stormtroopers. Non, justement pas. Ah ouais, justement pas. Bon, bah mais alors, oui, ils portent la monstre armure, puis après un tir, ils tombent quand même. Non, non, ils ont pas d'armure, ceux-là. Ils ont rien. Ils ont même pas de stress physique. Ils ont même pas d'améroxine. Non stress. Non stress. Je fouille. Il est mort ? Je fouille. Non, il y en a encore deux. Il y en a encore deux. Il y en a trois qui sont morts sur cinq. Ah. Ok, je fouille. Qui est vite. Au lynx. Non, j'étais okay. Déjà. Ah, non, c'est le nouveau tour, non ? Ah, ouais, c'est le nouveau tour. C'est le nouveau tour, ouais. Il me semble. Ah ouais. Alors, au lynx. Alors, comme le mono-whip, ça marche pas, je préfère tirer. Prends le multi-whip. Lilo multi-whip. Multipass. Et c'est un 3. Oh là là. Shoot in your face. Et il défend avec 2. Oui, donc il y a un autre qui tombe. Tu lui as shooté juste en travers la gorge. Je donne mon init à Yokai. Il a rien fait depuis 3 tours. Il peut pas répondre. Yokai, il essaye de... Il va se planquer ici au coin, et puis il essaye de tirer sur les gars. Il y a Yokai qui fait son tir. Il y a DF. Il fait 0. Son 3. Il a raté son tir. Je fais des super jets. Ok, donc voilà, il donne l'initiative à Z. Je continue de fouiller. Le dernier, il a rien non plus. Moi, j'en ai encore 10 à fouiller. Ah ouais, non, mais t'as fouillé deux groupes déjà. Ah, ok. Moi aussi, je fouille. Ouais, hein. Je me déplace, puis je m'apprête à fouiller l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont pas d'améroxine, ils ont plein d'autres trucs qui t'intéressent pas. Ouais, bah oui, moi, je veux que d'améroxine. Ok. Oh, les crédistiques, rien à foutre. Ok. J'ai. Je donne l'init à. Bah, du coup, au groupe. Ouais, attends, mais non, c'est eux, du coup. Oui, c'est eux, justement. Ouais, au groupe, au groupe d'ennemis, pardon. Ouais. Ok, donc eux, ils se cassent, ils sortent de la zone. Lui, il se casse. Le dernier, il se casse, ouais. Boum. Il a fallu l'arrêter, les gars. Ok. Connard. Ils ont réussi. Moi, je suis un drogué. Il a réussi à s'échapper. Ok. Donc, voilà. Combat fini. Donc, comme Matos, ils avaient... Submachine gun, un bâton et un pistolet. Chacun. Et des donc vous avez 15 pistolets, 15 submachine guns et 15 bâtons. Ils avaient des multipasses ? Non, ils avaient ils ont des chips qui sont apparemment directement dans leur corps pour ce qui est d'identification. Où ça dans leur corps ? Difficile à dire. Moi, je pense que c'est au niveau du poignet. Je prends un corps avec. On coupe un bras. Okay. Et puis je dis on y va. Moi je coupe un bras avec le mono whip. Ok, c'est net, ça saigne même pas. C'est clair. Ok, donc. Puis je fais coucou. on y va. Ouais, on y okay. Va, on va où? On est où d'ailleurs? Vous êtes dans la zone d'atterrissage, il y a des coins, tous ces gros, ces grands carrés, c'est des pièces avec des conteneurs dedans. Et alors, si vous voulez, ici il y a des sorties, là et là. Moi je vais à la sortie du haut quoi. Bah ouais, on va à la sortie du haut. Ok, donc là je vais vous mettre ailleurs. J'ai toujours un corps avec moi. Hein. Ah merde, moi je suis encore blessé gravement.
T'as quoi? T'as des... C'est quoi? C'est pas... C'est une conséquence ou bien c'est une... Ouais, c'est une conséquence modérée. Une balle dans la jambe. Une balle dans la jambe, ouais. Donc t'as un peu de la peine à marcher. Mais Yoka, il m'aide. Vous êtes en fait dans la zone de réception de cargo. Il y a, à part ces gars que vous venez d'assassiner, il y a personne d'autre. Donc vous êtes sorti par la porte d'en haut et vous êtes vous voyez un dôme transparent au-dessus de la zone des cargos et il y a pas mal d'immeubles. C'est comme si vous étiez sur un port en fait. Ça ressemble un peu à un port terrestre, mais sauf que au lieu d'avoir la mer, vous avez ce dôme rond qui est tout autour. Vous voyez d'un côté le vous êtes un peu au bord de la plateforme, donc vous voyez la terre, donc la courbe de la terre, et de l'autre côté vous avez des buildings d'administration et des autres grands hangars au-delà du dôme. Il y a plusieurs sorties qui vous relient vers le reste de la station. Ok. Donc là, le but maintenant, ce serait d'aller de là où vous êtes sur la Lune. Ouais, d'abord, je vais aller voir un médecin. Sur la Lune, si j'ai compris. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un hôpital ? Oui, il y a une station de médic, ouais. Bon, on y va. En tout cas, moi, j'y vais. Je sais pas si vous venez avec. Ouais, je viens avec. Peut-être que arrive une connerie. Hein. Okay, peut-être qu'ils ont même ils ont peut-être de la naroxine aussi. Steph, ça te fait un peu chier, mais l'idée d'aller dans une clinique, c'est ouais, peut-être ils ont des médicaments, éventuellement. Mais les pensées sont plus très claires, Steph. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que vous faites exactement ? Je vais à la clinique. Ok. Donc, mais tu les prends avec, tu leur poses d'abord ou... Je leur dis, les gars, j'ai un trou dans ma jambe, j'aimerais bien aller à l'hôpital. On n'a pas le temps. À l'hôpital, Velpon. Sortez. C'est pas Velpon, c'est Velpo déjà. À l'hôpital Velpo. À l'hôpital Velpo. Blam. Sortez. Donc vous allez en direction du bâtiment qui vous paraît le plus gros. Vous passez à travers un tunnel qui relie le dôme vers le bâtiment principal et vous arrivez en fait dans un terminal avec des gens qui bougent. En tout genre, il y a pas grand monde qui semble faire attention au fait que tu boites le lynx. C'est bien. Ça ouais. M'arrange. Donc il faut tu comment tu fais pour trouver l'hôpital? Je demande à Yokai. Yokai, Google l'hôpital. Yokai, il a l'air distrait, il a l'air un peu comme s'il était en manque de mist ou quelque chose comme ça. Je me connecte sur une console, sur le prochain point d'info, et je demande, s'il te plaît, donne-moi le chemin le plus court pour aller à l'hôpital le plus proche. Bien sûr, téléchargez sur votre datapad. Merci beaucoup, suivez-moi. Donc, c'est ça qu'on fait quand t'es sur la Lune, quand t'es sur la station, la station du Beanstalk. Ouais, pas trop. Donc, vous êtes, vous arrivez à la clinique. Please wait. The universe is loading. Please wait. Please universe, the wait is loading. Please wait. Please universe. J'ai un problème de connexion, ça répète un fond. Il y a un écho. Il y a un problème sur votre ligne là, ça. Ouais, ma prière. Please wait, il y a un erreur sur la ligne. The call is important to us. Please loading, wait. Universe.